raconter la légende de Delirius Percussion. Elle est née il y a plusieurs siècles dans le pays de Jugara. À cette époque, des lois très sévères interdisaient au peuple toute manifestation dans les rues. Personne ne devait être surpris à danser, chanter, jouer d'un instrument, défiler ou crier son désespoir. Pour punir sévèrement les hommes qui n'obéissaient pas à ces lois, un groupe de moines au cœur sombre fut créé par les dirigeants du pays. Si un ou plusieurs individus défiaient le pouvoir en place, ces moines imploraient la malédiction du ciel en pratiquant la magie noire. Celle-ci s'abattait sur les êtres humains ayant désobéi et les condamnait à souffrir pour l'éternité. Un jour, quatre hommes partageant la même passion pour les percussions commençaient pourtant à se disputer et à se battre en public.
communistes furent accusés, jugés et emprisonnés. Les moines au cœur noir invoquèrent les puissances du mal et prononcèrent un verdict qui fut sans appel. Les quatre individus furent condamnés à vivre éternellement dans la peur. Ils furent exilés dans un autre lieu, à plusieurs jours de marche. Emprisonnés dans un nouveau corps, ils perdirent leur esprit. Après avoir marché pendant des jours, ne s'arrêtant que quelques instants pour boire et manger des fruits au bord des chemins, ils arrivèrent enfin. La forêt de Jugara se dressait devant eux. Ils y entrèrent et marchèrent encore pendant quelques heures. Épuisés, ils trouvèrent une jolie clairière pour y dormir. Le sommeil les gagna très vite. Just come on, love.
laissaient libre cours à leur imagination et frappaient sur ces instruments comme si tout était comme avant. Tout l'environnement était imprégné de son. La nature tout entière semblait crier leur nom. Ils étaient devenus les Delirius Percussion.
Olivius resta un instant seul et pensif. Il se posait des tas de questions. Comment vivre dans cette forêt reculée du monde tout en évitant ces percussionnistes effrayants? Peut-être que l'on devrait établir un contact. Peut-être sont-ils gentils. Il se disait qu'après tout, mis à part leur physique et leur tenue mystérieuse, ils leur ressemblaient en bien des points. Cette tribu semblait aimer faire la fête, jouer de la musique et peut-être danser. La peur de l'inconnu pouvait-elle paralyser à ce point et empêcher toute communication entre eux? Une autre question l'obsédait. Pourquoi juger quelqu'un sur son apparence? Il repensa soudain à une phrase que son père lui avait souvent dite. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Il se la répéta plusieurs fois intérieurement. Et comme par magie, comme si cette phrase était un appel, l'un des délirus percussions lui apparut, celui-là même qui les avait fait fuir la première fois. Oui, notre fameux Migoulum se tenait là, voûté, honteux, et aussi terrorisé qu'Olivius du Folium d'Ordensius. Ils se regardèrent longuement, comme si le temps s'était arrêté. Le petit Migoulum s'approcha enfin, pas à pas, méfiant, et marmonna. Je ne veux pas te faire fuir. Mais lui-même tremblait bien plus qu'Olivius le danseur. La peur qui venait de la malédiction avait repris le dessus, et Migoulum commença à tourner la tête dans tous les sens pour surveiller tous les recoins de la forêt Jugara. Voyant qu'Olivius restait courageusement à le regarder, il continua lentement à se rapprocher. Il arriva tout près et décida de prendre lui aussi son courage à deux mains pour parler sans retenue. C'est extraordinaire, fit observer Migoulum. Tu ne peux pas rester une semaine sans danser. Ça n'est pas plus étrange que de te voir tourner la tête sans arrêt dans toutes les directions. Frapper sans cesse sur tes instruments. S'exclama le Folium d'Ensus. Oh ! Protesta le percussion. Je saurais bien m'en empêcher si vous voulez vraiment. Eh bien, essayons toi et moi de rester immobiles. Celui qui bougera le premier aura perdu son pari. Entendu ! Dit Migoulum. Et tous deux s'efforcèrent de ne plus faire le moindre mouvement. Laisse-moi te raconter en premier.
nous avons quitté ce contrée lointaine un jour de grand hiver, nous nous sommes retrouvés frigorifiés dans notre forêt blanche, et ce jour-là, nous courûmes le plus grand des dangers. Tiens donc. S'interrogea le folieux Tatius. Oui. Poursuivit le petit percussion en folie. Nous vîmes des loups enragés à courir partout en hurlant à la mort. Il a venu de tous côtés, à droite, à gauche, devant moi, derrière moi. Je me tournais de ce côté, j'entendais par-ci, et puis par-là, et de nouveau par derrière. Nous tentions de les chasser avec des branches, et à force d'écouter. Olivius, aussitôt l'histoire terminée, commença lui aussi son récit. Un jour, nous avons laissé quitter la terre des hommes. En passant par un village, nous eûmes envie de danser. Mais à peine avions-nous commencé que nous fûmes attaqués et pourchassés à coups de pierre par notre troupeau d'enfants. Je recevais ici, là, à la cuisse gauche, à l'épaule droite, la nuque, les bras, de la tête aux pieds en passant par le dos. Notre danseur, en folie furieuse, gesticulait de tout son être. Nigoulin n'arrivait plus à se retenir de vivre. Olivius, un venu à se colorer de joie, dit aussi de bon cœur. Et Nigoulin lui dit : vois-tu, nous aurons beau dire et beau faire. Nous tenterons de chasser le naturel, mais il reviendra au galop. Jamais nous ne changerons. Restons-en là. Aucun de nous n'a gagné ni perdu le pari. Et pour fêter cela, jouons et dansons ensemble. Appelons nos amis, unissons-nous enfin et rassemblons nos énergies, afin que tout le monde sache que rien ni personne ne nous empêchera jamais de danser et de nous amuser sur des rythmes fous. Les deux tribus accoururent et s'unirent pour la première fois dans un élan du cœur. Ils ne pensaient plus du tout à la malédiction des moines. Ils commencèrent à frapper sur leur corps, à siffler, à bouger. Leurs mouvements les délivraient de toute crainte. Ils n'avaient plus peur de l'inconnu, et cette expérience les avait réunis. Ils étaient devenus de vrais amis.
arbres, des nuages, toute la nature s'y est émise pour transporter cette légende à travers les années et à des centaines de kilomètres de la forêt jugérale. Un jour, des hommes, de nombreux hommes, vinrent chercher les deux tribus pour les ramener en ville. Ils unirent leurs forces pour renverser le pouvoir maléfique en place. Ils réussirent. Un vent de liberté soufflait enfin sur cette terre. On n'entendit plus jamais parler du groupe des moines au cœur noir. La malédiction dont avait été frappé niveau l'homme et le sien disparut par la même occasion. Et les créatures défigurées retrouvèrent enfin forme humaine. Les deux groupes ne faisaient plus qu'un. Humains ils étaient, humains ils resteraient. Les Folium Campensis et les Delirius Percussion continuèrent à jouer librement dans le monde jugarin. Une grande fête eut lieu où danseurs et musiciens se retrouvèrent pour faire vibrer un public heureux et libéré. Thank you.
L'humain fait la force, c'est que le bien finit toujours par triompher. Alors, le temps d'une petite pause et nos danseurs reviennent pour vous
vous faire bouger en musique. Joyeux Noël à tous et j'espère à très bientôt au 9. Merci beaucoup.